Nous nous trouvons à la municipalité de Saïda, où quelques-uns des 1300 réfugiés palestiniens qui ont fui les violences du camp de Ain El Helwa se trouvent dans l'attente d'une aide humanitaire. Un calme relatif est revenu après les affrontements, qui auraient repris toutefois sporadiquement en fin de matinée. Dans les quartiers libanais avoisinant le camp de Ain El Helwa, à l'instar du quartier de Tawarek, c'est la colère ou de la résignation que nous ressentons chez les habitants. Les combats et balles perdues ont laissé des stigmates sur les immeubles alentours. Notamment les impacts de balles ou encore le tir de mortier qui a affecté la maison de ce résident de Tawarek. La ville de Saïda s'en retrouve affectée. Plusieurs institutions, à l'instar de l'université libanaise, ont suspendu ses activités. Beaucoup de Palestiniens fuyant les combats se sont réfugiés dans des mosquées avoisinantes. D'entre eux ont pu également se réfugier à la municipalité de Saïda, à l'instar de cette femme qui a dû abandonner le camp précipitamment. Dans le camp palestinien de Ain El Helwa, depuis plusieurs mois l'objet de combats internes entre les forces pro-iraniennes et d'autres forces pro-Mahmoud Abbas, qui est le représentant de l'autorité palestinienne.